tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo haul scrap action. Donc écoutez, si cette vidéo vous intéresse, enfin, c'était pas une vidéo livresque, mais comme vous savez, voilà, maintenant j'inclus des vidéos de coloriage, de scrap, c'est un petit peu lié finalement, parce qu'en m'intéressant au colo, j'ai fini par m'intéresser enfin au scrap. Donc écoutez, je vais vous montrer mes derniers achats. Il y en a, c'est des arrivages récents, d'autres un petit peu moins, mais voilà, j'ai attendu de regrouper tout ce que j'ai pu acheter ces derniers temps pour vous faire une vidéo un peu plus complète. Donc écoutez, c'est parti. Avant de commencer, je vais vous montrer d'abord quelque chose qui n'a rien à voir avec le scrap, mais c'est une petite montre de la Pat Patrouille que j'ai trouvée chez Action. Donc pour les mamans qui ont des petits garçons qui sont fans de la Pat Patrouille, voilà, sachez que je l'ai trouvée avant-hier. Donc si ça vous intéresse, la voici et elle fonctionne, il y a une pile à l'intérieur. Voilà, très très jolie montre. Ensuite, j'ai pris ces deux paquets de serviettes en papier pour faire du serviettage. J'ai adoré les motifs très été, très fruités. On a de la pastèque, on a fruit de la passion, je crois que c'est ça. Au début, je croyais que c'était la noix de coco, mais non, je crois que c'est un fruit de la passion. Ananas, etc. avec des fleurs. Donc voilà, ça pour l'été, c'est très sympa. C'est bien dans les tons estivales. Et j'ai également craqué pour ces petites serviettes avec les petites fleurs. Je les trouve vraiment très très belles par rapport à ce que je suis en train de faire en ce moment en scrap. Ça va très bien avec le thème et ça peut servir pour plein d'autres thèmes, notamment des thèmes shabby, tout ça. Voilà, vous pouvez vraiment faire vos fonds, des belles créas avec ces petites serviettes-ci. Ensuite, en termes de tampons, j'ai pris les tampons papillons. Avec un petit sentiment. Alors, qu'est-ce qui est écrit? Je ne sais même pas. J'ai beaucoup de mal à lire, en fait, ce qu'il y a d'écrit. Donc, j'arrive pas à voir. Je ne vais pas l'ouvrir tout de suite. Du coup, je suis désolée, je ne peux pas lire ce qu'il y a d'écrit. Mais en tout cas, voilà, je les trouvais vraiment très sympas, ces papillons. Et surtout, j'en avais pas. Je débute vraiment dans le scrap. J'ai un peu de matériel, là, de plus en plus, parce que j'ai fait également une grosse commande à AliExpress. Si ça vous intéresse une vidéo là-dessus, avec grand plaisir, dites-moi dans les commentaires, je vous la ferai. Sinon, bon, bah, je ne vous la ferai pas. Et voilà, donc vous pouvez trouver ça chez Action. Il y a également ces superbes tampons. J'adore les motifs, donc pour faire des bordures ou pour centrer, faire des présentations, tout ça. Voilà, je les ai trouvés vraiment très très beaux. J'ai également pris ceci. Des petites enveloppes, des timbres, voilà, dans cet esprit-là, j'aime beaucoup. Vous avez également toutes sortes de fleurs. Alors moi, j'ai pris ces petites fleurs-ci avec des petites perles, des petites strass au milieu. Je les ai pris en blanc. Je les ai pris également en vert, un très beau vert. En plus, j'adore ce vert, c'est un peu un vert d'eau. Je les ai également pris en rose. Donc en termes de fleurs, vous avez celle-ci. Vous avez également celle-ci, mais qu'on retrouve depuis un petit moment déjà. Donc, vous avez ces tons-ci. Vous avez également ces tons-là, un peu plus rosés, avec des petites paillettes, comme des petites feuilles d'or, en fait, un peu dorées. Donc, voilà. Je ne sais pas si vous voyez un peu la différence de couleur entre les deux paquets. Certaines sont similaires, mais voilà. Là, on a un petit peu plus des tons dans les bleus et les verts. Ici, un peu plus dans les tons pêche et rosé. Vous avez également ces petites fleurs-ci. Je les ai pris en rose. Vous avez également des assortiments de fleurs comme cela. Certaines avec une petite perle au milieu. Petite marguerite, petit tournesol, je ne sais pas trop. Voilà. Ensuite, j'ai également pris... Alors, elles n'étaient pas dans le même rayon. Elles étaient au rayon déco. Ce sont des fleurs, je ne sais plus si c'est des fleurs en... Oui, c'est des roses en mousse. Voilà. Donc, il y avait également différents coloris. Je les ai pris en blanc. Ensuite, côté ruban, je me suis également fait plaisir. J'ai pris ces rubans-là. Donc, c'est des rubans d'organza avec des petites fleurs. Donc, j'ai pris dans les tons verts. Je les ai pris également... j'en ai pris deux, tiens. Oh, la fille qui sait même plus ce qu'elle achète. Bah, c'est pas grave. C'est pas grave. Oh, la nulle. Je les ai également pris en mauve. J'arrive pas à croire que j'ai pris les deux même. Mon Dieu. Et j'ai également pris en rose. Je les trouve très, très jolies. Ensuite, il y a également ceux-là.
Alors là, vous avez comme une espèce de frou-frou. Vous avez vraiment différents types de rubans. Donc vous aviez en noir et blanc comme ça. Vous avez également dans les tons bleu marine. Moi, j'ai pris cela. Et vous avez aussi des petits sets de fil à coton, comme cela. Donc ça, pareil, très très pratique. Et j'ai également trouvé du foil Flex Embellishment. Donc c'est du foil en fait en flocon. Donc voilà, j'aimais beaucoup la couleur. Donc je ne sais pas, je m'en suis encore jamais servi. Je ne sais pas comment on s'en sert. Je vais regarder quelques tutos pour voir comment faire. Mais voilà, ça m'intriguait. Je trouve ça très joli. Donc je vais voir un petit peu ce que je peux faire avec, les possibilités. Vous avez également des petits sets de perles maintenant. Je ne les avais jamais vus avant. Donc il y a différentes couleurs. Moi j'ai pris le set vert, mais également d'autres petites valisettes avec des perles roses. Je ne sais plus quelle autre couleur. J'ai hésité entre les roses et les vertes, mais j'ai quand même pas mal de perles roses. Du coup voilà, je me suis penchée sur les vertes. Il y a vraiment le kit de base, hein. Vous avez des petites breloques, des perles tibétaines, le fil, la pince, toute taille de perles. Donc vraiment, je trouve que ce kit, il est assez complet pour débuter, aussi bien pour faire des bijoux que pour faire des charms pour vos junk journal. Donc voilà, ça, on adore. Ensuite, au niveau papier, je suis ravie d'avoir enfin trouvé du papier vellum. J'en cherchais. Donc là, vous avez 36 feuilles de vellum. Il y avait différents motifs. Moi, j'ai pris les motifs un peu style bois, planche de bois et motifs floraux. Je trouvais vraiment très, très joli celui-ci. Vous voyez, avec des roses, avec des plumes. Enfin, c'est même pas des roses d'ailleurs. Je ne sais pas comment elles s'appellent ces fleurs. Là, vous avez des roses. Donc voilà, je trouvais que c'était vraiment le plus joli des papiers, des petits cœurs et tout. Et il me semble qu'il y en avait trois différents, si je ne dis pas de bêtises. Ensuite, concernant les paper blocks. Alors là, j'en ai vu plusieurs, notamment un sur le thème de la gourmandise. Vous avez donc voilà, des petites tasses avec de la chantilly, des roses, des glaces, des sucettes, des petites gaufres et tout. Ça, j'adore, moi, tout l'univers pâtisserie, cupcake, glace, voilà, j'adore cet univers, donc j'ai craqué dessus. J'achète pas souvent des paper blocks, mais celui-ci, je sais que je veux faire quelque chose de précis, donc sur le thème de la gourmandise, du coup forcément j'ai craqué dessus quoi. J'adore. Donc on avait ce paper block, on a également ce paper block. Je vais rester dans les paper blocks. Je vais vous montrer cela après. On a également celui-ci. Là, c'est un petit peu sur le thème de maison, on va dire. Maison, fauteuil de jardin, pot de fleurs, tout ça. Voilà, que, thème cosy, on va dire. Cosy à la maison. Donc ça, c'est moins mon délire. Ça, je l'ai pris pour une amie qui les voulait, qui ne les trouvait pas dans son Action. Voilà. Ensuite, vous avez aussi ce bloc-ci. Alors lui, par contre, je l'ai adoré. Je l'ai pris pour ma copine et je l'ai aussi pris pour moi. Donc là, c'est un petit peu sur le thème champêtre, voyage avec le van. Moi, je ne sais pas trop comment dire. Pareil, ça fait aussi un petit peu maison de campagne. Et en même temps, vacances, maison de vacances. Ouais, un petit peu de tout, en fait. En même temps, dans les tons un peu vintage. Vous voyez, on peut vraiment... ce bloc-ci, j'ai vraiment craqué dessus parce que je trouvais qu'avec tous les éléments qu'il y avait, on pouvait vraiment piocher dedans pour plein de thèmes différents. Regardez-moi ce papier comme il est magnifique. Les roses sont splendides. Là, les plumes, elles sont superbes. Et vraiment de très, très beaux papiers dans ce bloc-ci. Il est magnifique. J'ai vraiment j'ai craqué dessus des petits chiens. Il est beau et je trouve qu'il est, il est très diversifié. Regardez-moi ça comme c'est beau. On peut vraiment faire beaucoup de choses avec celui-là. Donc pour moi, c'est mon coup de cœur celui-ci. Et donc, j'ai également pris ce paper writing. Donc ça, c'est, vous savez, les blocs tout prêts pour faire
des cartes postales, des lettres et tout. Et j'ai craqué. Encore une fois, des pages avec des motifs à fleurs. Regardez-moi ça comme c'est beau pour faire du journaling, pour faire ces petites enveloppes, tout ça. Je l'ai trouvé sublime, ce bloc. Voilà, vous connaissez le principe, hein, c'est déjà tout prêt. On peut vraiment faire tout son petit courrier avec. On a le papier à lettres et le papier pour faire l'enveloppe. Tout est déjà prêt. Et je l'ai trouvé superbe. J'ai également pris celui-ci, donc le Luxe Paper Block, un peu dans les tons lavande. Et j'ai adoré, pareil, les thèmes proposés. Regardez-moi ça comme c'est beau. Le petit nœud. Ah, il y a le portable qui sonne. Bon, bah, je répondrai plus tard. Petit cupcake. Regardez-moi ça. La petite voiture fleuriste. C'est magnifique. Les petits ciseaux, la petite pelote et tout. J'ai craqué. Les petits anges, la petite clé. Je suis tombée, regardez-moi ça, les ciseaux à l'ancienne comme ça, j'adore. La petite bobine de fil, je l'ai trouvé magnifique ce bloc-ci. Pareil, on a du beau papier également, des beaux motifs floraux. J'adore. Style aquarelle. Je suis fan. Très beaux stickers. J'ai craqué. Et j'ai également craqué pour ces stickers. Vous savez, c'est les stickers embossés. Bon, là, il en manque un. Je m'en suis servi. C'est un violoncelle qu'il y avait. Mais voilà, je les ai trouvés magnifiques. Les motifs à l'ancienne, comme ça. Style, style vintage, toujours. Regardez-moi cette rose, comme elle est belle. L'horloge. Le fauteuil avec le petit chat, le miroir. Ils sont magnifiques, ces stickers. Regardez-moi la bouille de ce chat. L'ancienne armoire et tout. Oh, j'adore. Je suis fan. La petite enveloppe là avec les fleurs qui sortent. La petite colombe voyageuse, pigeon voyageur. J'adore. J'ai également pris ces stickers là qui sont un peu dans le même esprit. Toujours un peu ancien, vintage. J'adore. Et j'ai également pris ceux-là dans le thème gourmandise. On rebascule dans le thème gourmandise. Je les trouve superbes. Voilà. Ensuite, en bloc, j'ai craqué pour le shabby chic. Donc, vous avez ces motifs-ci. Je sais pas si vous voyez bien. J'ai déjà commencé à m'en servir, mais bon, voilà, je vous fais vite fait défiler les photos, enfin les papiers. Ils sont superbes. Et là, on est vraiment dans du shabby, hein. Regardez-moi ça comme c'est beau. Ce papier-là. Photos sont superbes. Vraiment, regardez ça. Pour les junk, pour les cartes, pour plein de choses. J'ai craqué sur ce bloc. Regardez-moi ça comme c'est beau. Celui-là, je l'adore aussi. Ça aussi, le style un peu Vichy. J'adore, je suis fan de ce bloc. J'ai également craqué pour celui-ci, j'en suis également fan. C'est un nouveau bloc vintage et là on a du foil. Les pages sont magnifiques, les motifs vintage baroque, ils sont superbes. Regardez-moi ça comme c'est beau. Vous avez donc les versions foil et les versions normales. Magnifique bloc. Esprit un peu vieilli au café. Regardez-moi ça comme c'est beau. Ça brille, j'adore. Voilà, je vous ai pas tout montré, mais voilà tous les motifs qu'on peut retrouver. Et j'ai également craqué sur ce bloc-ci. Donc c'est le Paisley Collection. Donc pareil, on retrouve aussi un petit peu l'esprit vintage baroque. Regardez-moi ça comme c'est beau.
J'adore. Ça, à lui tout seul, c'est une œuvre d'art, ce double papier. Motif de folie. Il est magnifique. Quand je trouve des super beaux blocs comme ça, j'ai envie de les prendre en double. L'effet mur de briques, là, j'adore. Je suis dingue de ce bloc parce qu'il est très, très mixte, en fait. Et voilà, j'ai fait un peu de place pour vous montrer la suite. Vous avez aussi ces beaux ornements, ces beaux ornements avec des papillons, des rosaces. Il y en a d'autres, j'en ai pris d'autres, mais je les ai déjà rangés dans des boîtes. Du coup, vous aviez aussi avec des fleurs. Et bon, voilà, donc j'ai pris ça. J'ai également pris des dies. Donc, j'ai pris cette forme-ci. Vous avez également cette forme-là. Celles-ci aussi, je les ai trouvées vraiment très belles, les fleurs. Voilà. Et il y avait également, ça a un nom, hein. Je ne sais plus comment ça s'appelle. C'est des découpes en bois, en fait. Des espèces de stickers en bois. Et il y avait également ces petits tampons. Oh, ceux-là, je les trouve trop beaux. J'adore l'univers vintage steampunk. Encore des fleurs. Et encore des fleurs. Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Et puis surtout, comme je vous ai dit, n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je vous fasse... un haul AliExpress. J'ai vraiment pris pas mal de choses, donc n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Et puis si vous aimez ce type de vidéo haul action, vu que j'ai deux actions à côté de chez moi, j'y vais assez régulièrement, donc voilà, si vous voulez que je vous fasse des petits updates histoire d'être au courant des arrivages dès que j'achète un truc, voilà, bah, dites le moi dans les commentaires. Et même si c'est une vidéo de 5 minutes, c'est pas grave, dès lors que je vous montre les produits qui viennent juste de sortir et d'arriver. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. Voilà, bah, écoutez, sur ce, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Mouah. Bisous, ciao.